Quête annexe. Fermeture, région, garnison. Et visiblement, ça va se passer de night. Je pensais que ça allait me gêner, mais enfin que ça allait m'aider. Ça a plutôt tendance à me gêner alors. Oh là, il y a un peu de monde ici. Alors, si tu me racontes, toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis un indigent, humilié par ma propre famille. Qui? Oui, ma propre chair et mon propre sang m'ont mené à cet état épouvantable. Mes propres parents et alliés. Comment peuvent-ils être si déraisonnables? Trompés par des fantasmes. Malheur à eux. Malheur! Tu vas me dire ce qui se passe? Père, mon cher père, a quitté cette vallée de larmes il y a un mois. Et ses frères et sœurs, mes détestables oncles et tantes, qu'ils soient maudits, sont devenus fous de chagrin. Et ils ont parcouru des chemins sombres et ont trouvé un infecté ayant le pouvoir de ressusciter les morts. Depuis, ils ont offert des objets de valeur à la créature en la suppliant de ramener mon cher père décédé. Ils y croient vraiment? Oui, ils pensent que leurs offrandes permettront à la bête immonde d'accorder à père une nouvelle vie. Certaines personnes ont besoin de croire en quelque chose, quoi que ce soit. Et c'est quoi le rapport avec ta pauvreté? Leurs offrandes, ce sont tous les objets de valeur de père. Lorsque j'ai essayé de les arrêter, ils m'ont jeté de la maison. Je n'aurai plus rien. Seuls les souvenirs de père. Et un trou béant dans mon cœur. J'irai à l'hôtel pour récupérer ses affaires moi-même. Mais... je ne suis qu'un homme fragile. Mais toi, tu as l'air d'être quelqu'un de robuste. Tu pourrais peut-être y aller et récupérer ces trésors pour moi. Eh ben, si c'est si important pour toi, je peux essayer. Ah, quel cœur de lion! Je te récompenserai au centuple. Ils font leur offrande le soir. Il faut donc y aller sous couvert de la nuit. Tu trouveras ces affaires dans des coffres doublés de saules. Tu peux attendre ici que le soleil descende du ciel. Je t'attendrai dans ma maison de Lower Dam Air, sur Garrison. L'entrée est près du vieil hôtel, à côté du canal. Adieu. Adieu. Récupérer durant la nuit les objets de valeur dans les hôtels. Alors, on a ici d'habitude une anomalie qu'on a malmenée déjà, donc avec plus tranquille. What the fuck? C'est quoi ça? J'ai jamais fait gaffe à ça. De théâtre. Je suis quand même pas entré dans une partie type démoniaque. Putain, rage. Absolument pas être de plein pied, je voulais rester dans les airs. On va passer en mode archer si je rencontre des gens fortement nuisibles. Il n'y a que de ça, mais. C'est-à-dire s'il y a un nuisible plus nuisible que les autres. Ah là là, il y a des... vilain. Ok, il y a un hurleur là. Yomtel. Il va frapper, putain mais. Mortel, alors c'est vrai que mon arc maintenant, le pauvre a mal vieilli. C'est un peu le défaut de monter en niveau. Si le matos suit pas. Je suis au bon endroit là ou pas? Yes.
boss. Hein. Toi. On va la deuxième pièce parce que j'aurais senti. Plus j'en tue, plus il en arrive. Ok, ça c'est fait. J'ai tout ce qu'il fallait. Alors. Porter les objets de valeur. Empêcher. Je suis mal plus discret, c'est lourd. Même si quand on est en mode poursuite, ils ont tendance à y être un peu cheatés. Et donnent notre position de manière malhonnête. On y accède de l'intérieur ou pas? Merde. Putain. Oh merde. Question, c'est est-ce qu'il a eu le temps de donner l'alerte ou pas? Oh là là, le jumper a sauvé la vie. Alors attends, il est où? 13. Merde, il est en dessous. Je montais trop. Impeccable. Où est-ce qu'il se trouve? C'est bien fait pour toi, salaud. Mon frère est presque mort à cause de toi. Je ne voulais pas qu'il soit blessé. Mais il l'a été. À cause de toi. Arrête de duper les autres pour les envoyer faire tes courses. Si j'entends que tu fais ça à quelqu'un d'autre, je te dénonce. Hé hey. T'es qui, toi? Un autre des garçons de course de cet imbécile? Peu importe. J'en ai rien à foutre. Je me casse d'ici. Qu'est-ce qui se passe ici? De quoi il parlait? Tu vois, avant la chute, j'étais un acteur. Même pas un bon acteur. Sans scène, j'ai exercé mon métier dans la rue. Et je suis devenu un escroc. Mais pas un très bon escroc non plus, étant donné que je suis toujours assez pauvre. Toute cette histoire sur ton père, ta famille. C'était un mensonge. Je devais te convaincre de récupérer ces objets de valeur. La légende de la créature est vraie. Aussi vraie que les bandits qui l'ont inventée pour inciter les gens à offrir leurs objets de valeur. Ils viennent plus tard et les récupèrent. Je voulais pas y aller moi-même et risquer qu'ils m'attrapent. Alors je me suis dit que j'allais demander à quelqu'un d'autre d'y aller. Je suis un sale type avide et paresseux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au moins, t'es honnête sur une chose. J'essaie. Parfois. Comme maintenant, tu as survécu à l'épreuve. Garde le butin. Pour ta peine. Quant à moi, le rideau se ferme. Être ou ne pas être, telle est la question.
S'il est plus noble dans l'esprit de souffrir les piqûres et les flèches de l'affreuse fortune, ou de prendre les armes contre une mer de troubles, et en s'opposant à eux, les finir, mourir, dormir, rien de plus. Et par ce sommeil dire, nous terminons les peines du cœur. Et ? Alors ? Si t'as un travail, je te conseille de pas démissionner tout de suite. Particulier, hein. En tout cas, au niveau XP, ça payait bien, hein.